Le Paris Festival Hip Hop, c'est forcément des concerts. Alors là, actuellement, je suis à la Maroquinerie. Dehors, il y a énormément de monde qui attendent pour aller voir Willax, MZ et les Sages Poètes de la rue. Hey yo Dan, tu veux investir, peux-tu me lâcher 10 000? Quoi? 10 000? Pour qui? Pourquoi? Tu veux t'acheter une île? T'inquiète, tu sur un coup fumant. Grosse voiture à moitié prix avec les papiers, l'assurance et la garantie. C'est pas une Benz par hasard? Ouais. Verte par hasard? Ouais. J'espère qu'on va retrouver comme des gros classiques des Sages Po. On essaie aussi deux fois de rafraîchir le show, mais c'est très dur parce que les gens qui viennent voir Sages Po, c'est un public quand même qu'on a fidélisé depuis plus de 10 ans. Ils veulent écouter des morceaux qui leur parlent. J'ai un amour, bébé, tout le grand jeu. J'ai tombé les têtes comme un chou de mangeur. Je vous offre, nouvel an de plein de vengeurs. Et tous ceux qui diront le contre à son arrêt, vous n'êtes qu'un compte-top, qui l'identité sur son flingue. Le premier, c'est, ouais, c'est de s'amuser, c'est de s'éclater, mais c'est quand même de promouvoir la sortie du MZ Music Volume 2. Le but de ce projet-là, c'est de les faire connaître un maximum de personnes. Donc nous, on fait partie aussi de ces ambassadeurs. Et aujourd'hui, on fait profiter de notre expérience et avoir des gens dans le public qui connaissent peut-être pas MZ. Il y a des publics de MZ pour qui ça, je pose, c'est ancien, ça leur parle peut-être pas spécialement. Donc c'est vraiment ça le but d'un événement comme ça. Oxy, on sait que c'est un découvreur de talent. Aujourd'hui, il vous met un peu en lumière quand même. Ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est bon, Oxy m'a repéré, ma carrière, elle est faite. La question que je me pose, c'est pourquoi il nous a pas découvert avant? Ah. Pourquoi pas avant? On est là depuis longtemps et tout ce qu'on avait à faire et tout ce qu'on méritait, c'était de l'exposition. Et après, c'est à nous de faire le taf. Et si on a loupé, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Quel producteur en France peut arriver et dire j'ai plus d'expérience que Zoxy? Vous avez encore des rêves, vous les Sages Poètes de la rue, dans le rap? On est en train de faire par exemple avec des gars comme MZ, c'est-à-dire montrer que les différentes générations elles peuvent se croiser et monter ensemble. Voilà, ça c'est pour moi, ça ce serait un vrai rêve à accomplir, une belle histoire. En première partie des Sages Po, qu'est-ce qu'en pense Boubi? Boubi, je pense que tu vois, ça vient d'une œuvre de ici. Personnellement, les Sages Po, ils devraient chanter avec des peacemakers. Ils sont un peu vieux, tu vois. Tu vois ce que je pense, tu vois ce que tu vois le pansement. Mais sinon, techniquement, ils peuvent pas me battre. Essayer. Tu vois, sans autotune, je les maîtrise, tu vois. Eh, moi, je voulais sans bordel ici, c'est la maroquinerie. On est tous marocains dans la salle photo. Poto, vous êtes là-bas comme s'il y avait chat perché. Mais si, poto, c'est quoi, poto? Ah, t'as quoi, toi, avec tes lunettes? Tu veux une bouteille de cristal en tête ou quoi? Il y avait un nouveau groupe là qui s'appelle MZ. Je pense que la belette a dû kiffer. Ska! La belette a adoré, ma gueule. Ils ont tous 17 ans, c'est vraiment kiffant de voir des mômes chanter. Je les ai pointés du doigt, ça fait pas de moi un pointeur, ma gueule. Mais bon, j'ai vraiment kiffé leur prestation scénique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais recommencer à les voir là sur scène tout de suite, tu vois. Yeah, ma gueule. Skrrr, on s'enjoy. Madame veut toujours se barrer. Mixtape qui est sorti? Ouais, bah, j'allais le dire. Ça se voit, t'as trop aimé la mixtape. T'étais pressé de les dire. C'était ta question que tu voulais. Voilà. Donc voilà, comme le poteau il a dit, il y a la mixtape, elle est sortie là le 1er juillet. Le 1er juillet. Tu connais mieux que moi. Non. Il a kiffé. Allez acheter, il a kiffé, ça se voit. Alors comme vous pouvez le voir, ça range le matos. Le concert des MZ et les Sages Po, c'est terminé. Ça sent encore la transpiration. Nous on y était et c'était du lourd.